si on aurait tous nos joueurs à l'entraînement et tous nos joueurs qui communiquent, qui répondent aux messages, qui envoient des messages, on ne serait pas 12 aujourd'hui. D'accord ? Peut-être que c'est ça qui va nous causer des difficultés aujourd'hui, mais après, c'est votre souci, c'est pas le mien. D'accord ? Parce que tous les jours, on vous le dit, il faut travailler, d'accord ? Il faut continuer à travailler si vous voulez réussir. Mais après, il y en a qui s'arrêtent en plein chemin, c'est leur problème. Moi, personnellement, je serais joueur de votre équipe, je serais tout le temps là, tout le temps à l'heure. D'accord ? Parce que là, on a une bonne place du championnat. Je ne comprends pas comment un joueur qui est deuxième de son championnat, il peut rester chez lui. Ça, c'est un truc que je n'arrive pas à comprendre. Je ne comprends pas non plus comment des mecs qui sont deuxième de championnat, ils viennent à l'entraînement, ils prennent l'entraînement à la légère, l'échauffement à la légère, même le fait de se changer au vestiaire, ils prennent tout à la légère. Mais tout ça, les gars, c'est des détails, ça va vous coûter cher. Cyril, quand je te crie dessus pour sortir du vestiaire à l'entraînement, c'est pas pour te faire chier, d'accord? C'est parce que moi, je suis gentil. Parce que plus tard, quand tu vas être dans un autre club et tu vas faire ça, ils vont t'oublier juste par rapport à ça. Parce que t'es pas assidu. C'est comme à l'école. Quand tu arrives en retard, la prof, elle te laisse tranquille. Non, ben moi, c'est pareil. Donc, tout ça, les gars, je vais toujours être derrière vous dans tous les cas. D'accord? Parce que plus tard, de toute façon, vous allez nous remercier. Parce que si on vous laisse faire ce que vous voulez, vous allez tout gâcher. Ça ne sert à rien. D'accord? Nous, tout ce qu'on vous dit, c'est pour votre bien. Maintenant, comme je vous ai dit, celui qui veut rentrer ça dans sa tête, il rentre ça dans sa tête. D'accord? Plus tard, ça ne va plus lui apporter du bien. Celui qui veut rester comme il est aujourd'hui à part bosser, eh ben, il ne bosse pas. Mais les gars, il y a des joueurs de votre âge aujourd'hui, ils sont au PSG, ils sont à Lyon. Ils sont au Barça. Si vous voulez devenir professionnel, sachez qu'il y a des mecs qui sont devant vous, mais très loin devant vous. Donc, il faut travailler encore. OK? Moi, j'aimerais que vous soyez des joueurs de National 2 ou National 3, minimum. D'accord ? Au moins, là, vous êtes proche de la Ligue 1 ou la Ligue 2. Et là, vous êtes des bons joueurs de foot. Mais derrière nous, on est un peu loin. OK ? Donc, l'objectif, c'est de sortir de là. Tout simplement, comme je vous l'ai dit l'autre fois, l'objectif, c'est de sortir de là. Vous travaillez pour vous-même. Donc, là, vous allez rentrer sur le terrain. Vous travaillez pour vous-même d'abord. Individuellement. D'accord ? OK ? On est 14. À 14, on va faire les efforts. À 15, si moi je dois faire l'effort aussi aujourd'hui, je le ferai même si je ne suis pas joueur. Donc vous aussi, vous faites des efforts pour... moi, j'ai fait l'effort de faire le nécessaire pour avancer le match. D'accord? Donc vous faites le nécessaire pour me rendre ça, pour que moi j'aille à mon match cet après-midi, tranquille. Parce que si on ne joue pas bien là, même si on gagne, moi je ne serai pas tranquille toute la semaine. L'objectif, ce n'est pas la victoire, c'est ce que vous allez reproduire vous sur le terrain, ce que vous allez montrer comme bonne chose. C'est tout. Après, je sais que vous allez tous dribbler, tous faire des trucs comme ça, mais ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est celui qui sait garder son équipe la tête haute tout le temps, ok, et continuer à jouer, malgré la difficulté ou quoi. On fait beaucoup d'erreurs qui se ressemblent. Ok, à chaque fois qu'on va prendre un but ou quoi, c'est toujours pareil. C'est parce qu'il y a un mec qui a oublié de faire l'effort. On ne peut pas défendre à 10, les gars. Ils sont 11 en face. On est obligé de défendre à 11. Ok, donc le plus proche du ballon, à chaque fois, il faut y aller. Il ne faut pas se poser de questions. On est des guerriers. Et si on reste guerrier, ça va payer à la fin. D'accord? Il ne faut pas se dire, je ne sais pas quoi, vous avez beaucoup travaillé cette année. Ce n'est pas pour aujourd'hui, encore une fois, ralentir notre travail. D'accord? C'est pour progresser encore et devenir plus fort pour les matchs qui arrivent. Donc voilà, vous avez la compo. Là, on va sortir et on va gagner ce match. OK? Parce que c'est important. Il n'y a pas beaucoup de matchs aujourd'hui. Je crois qu'il n'y a que nous dans le groupe. Donc il faut rattraper devant là, au classement. Allez, c'est parti. On a bien remplacé les gars. Il a bien mis à chaque fois avec lui. Il a bien mis. Il veut, il veut mettre. Joue à Cyril. Ouais. Dommage. Bien joué les gars. T'as plu. Trop long, ouais. Franchi. C'est trop facile. Oui. Alexandre. Bien joué les gars. Alexandre. T'as mort. Allez, balle, allez. Bien. Allez.
Allez, Melvin, allez, mon gars. Deuxième passe. Oui. Bien joué, Ayoub. J'ai une meilleure équipe que toi, quoi qu'il arrive. Voilà que c'est vrai. Aïe! Ouais! Oui. Là, ça sera 1-0 ou 2-1, et là, il ne faudra pas les prendre les buts. Ok? Mais là, c'est trop facile. Quand moi, je vois ça, ça ne m'inspire pas confiance. Mais après, ce n'est pas de la faute de la défense. Le coupable, c'est Kenji. D'accord? On va le dire clair et net. D'accord? Comme on a dit, c'est bien de dribbler, c'est bien de faire tout ce que tu veux, dérouler, des passements de jambes. Ça, c'est bien. Mais ça, moi, je m'en fous. Parce que ça, je sais le faire. Ok? Par contre, ce que je ne sais pas encore faire, même moi, à mon âge, très bien, c'est faire le repli défensif. Ok? Ce qui est le plus important dans le football. D'accord? Parce qu'on prend un coup franc, un pénalty ici. L'arbitre, coup franc, pénalty, de toute façon, c'est lui qui décide. Et nous, on n'a rien à dire sur ça. Parce qu'avant ça, nous, on avait le ballon dans cette zone. Voilà. On était dans cette zone. D'accord? Il y a trois adversaires ici. On veut dribbler pour passer. D'accord? Il y a trois adversaires ici. D'accord? Donc, s'il y a trois adversaires ici, il reste combien de joueurs de chaîne ici là? Il y en a combien ici? Hein?
S'ils sont trois ici, les joueurs de chaîne déjà, ils étaient trois ici. Combien ils sont le reste? Voilà. Ils sont sept plus le goal. D'accord? Et nous, on a un joueur là, contre trois. On essaye d'aller là, alors que ici, on en a 10 contre 7. Les gars, réfléchissez. Kenji, là, il faut réfléchir. Si tu ne veux pas faire l'effort, d'accord? Si tu veux, tu peux ne pas faire l'effort. Revenir jusqu'ici, quand tu parles le ballon, tu as le droit. D'accord? Tu as le droit que si ici, tu n'as pas perdu le ballon. D'accord? Là, tu la mets à Kondé. Kondé, il ressort. Si Kondé, là, il la perd, ok, toi, tu ne peux plus aller là. Mais si tu as perdu le ballon là, tu dois récupérer. La principale personne déjà qui doit récupérer le ballon perdu, c'est la personne qui a perdu le ballon. Déjà, de une. Et après, si cette personne-là ne peut pas, les coéquipiers sont là pour l'aider. Mais dites-vous bien que quand vous avez perdu le ballon, c'est à vous de le récupérer. Arrêtez de croire, c'est la fête. Hein. Melvin n'est pas là pour récupérer tes ballons. Kondé, il est là pour t'aider, mais il n'est pas là pour faire ton effort. Donc ton effort, tu dois le faire. Enzo, c'est un peu pareil de l'autre côté. Hein. Attention, d'accord? Mais tu m'as fait combien de centres en demi-temps? Tu n'as pas compté. Tu m'en as fait plein. D'accord? Donc ça, c'est une très bonne chose. Et par rapport à ça, juste par rapport à ça, tu restes sur le terrain. Parce que c'est ce que je te demande avant le match. D'accord? Un bon ailier, c'est un ailier qui doit faire 10 centres par match. D'accord? Tu en as déjà fait 10. C'est même pas mal à mi-temps. C'est que tu peux faire plus. Ok? Donc tu continues comme ça, à multiplier, le mec, il ne va pas finir le match. Hein. À la fin, quand tu vas continuer. Pour ça que je te dis de temps en temps, là, sois malin. Le ballon, il arrive si c'est Benny ou Justin. Appuie-toi avec lui. D'accord? Appuie-toi avec lui même trois fois de suite s'il faut. Et après la quatrième, tu fais comme tu m'as fait la semaine dernière, tu la laisses passer, le mec tu le routes. D'accord? Pour rentrer dans son cerveau, mec. S'il voit qu'à chaque fois tu la laisses passer comme ça, tu vas te pratiquer avec lui. D'accord? Mais si il ne sait pas ce que tu vas faire, de temps en temps tu mets une remise par-ci, une remise par-là, bien appuyé, il faut que ce soit sûr. Le mec il va péter les plombs. Il va péter les plombs parce qu'il ne peut pas te suivre derrière. D'accord? Donc une remise, même là, une remise, tu pars, juste là, il faut te la remettre en une touche en profondeur. Remise et tu démarres tout de suite. Après, ça dépend de vos appels. Ok? D'accord? Parce que c'est un joueur pas mal quand même, s'il arrive à vous mettre en difficulté, tous les trois. Trois bons joueurs. D'accord? Donc, il arrive, tous les quatre, je veux dire. Donc, il arrive quand même à vous mettre en difficulté. Donc, c'est pas un mauvais joueur non plus. Mais nous, on doit être capable, un joueur comme ça, de le bloquer. Lui, c'est aucune chance. Il va marquer quand on ira jouer à Chelsea s'il veut, mais il ne vient pas marquer ici. Les gars, c'est pas normal. Les mecs, ils viennent ici, normal, ils obtiennent des pénaux. Pourquoi? Parce que nous, on n'est pas des tueurs. On n'est pas des tueurs. Et attention, on commence à grandir. D'accord? Les critiques, elles vont le voir. Ça veut dire, quand vous allez mal faire les choses, hein, les mecs, ils sont là. Il y a même vos potes, des fois, ils viennent vous voir. Hey, bon, les potes, de toute façon, c'est ceux qui vous disent la vérité tout de suite. D'accord? Donc, s'il y a un pote qui t'a dit, aujourd'hui, ça va pas, c'est ça va pas. Il n'est pas fou, il ne va pas dire n'importe quoi. Si tu as bien joué, ton pote sera le premier attaquant de la fin, là, il va te checker. Ok? Donc, un joueur de football, c'est ça aussi. Il ne faut pas croire, je ne sais pas quoi. Et il ne faut pas croire, les gars. Donc, je vous dis un truc, hein, d'accord? Je vous dis un truc. Il ne faut pas croire qu'il y a un mec ici qui est indispensable. Dans le club. D'accord? Que ce soit avec moi. Avec Bobby, avec Boulko, quoi, je sais pas, peut-être que Bobby, vous avez l'impression qu'il est plus gentil que vous, c'est normal. Parce que les gars, nous, on vous aime bien. Nous, on va pas vous mentir, on vous aime bien. Vous êtes tous ici comme un petit frère, d'accord? Limite, vous êtes comme une deuxième famille pour moi, je vous le dis, d'accord? Donc, par rapport à ça, déjà, vous devez avoir plus de respect pour nous. Plus de respect pour nous, d'accord? Quand on vous dit de faire l'effort, il faut le faire l'effort. C'est tout. Il n'y a pas de blabla, il n'y a pas de A, B, C. Soit tu le fais, ou soit tu dégages, tu sors, tu nous laisses tranquille. Ça va se passer comme ça, et ça sera comme ça jusqu'à la fin, jusqu'à ce que je ne serai plus là. Pourquoi? Parce que je suis prêt à nous apprendre les bonnes choses. Je ne veux, pas vous apprendre une éducation de footballeur qui est fausse. C'est pas vrai. D'accord? Je ne veux pas dire à Kenji, c'est bien, tu ne fais pas les efforts, alors que plus tard, en professionnel, on va lui demander que ça. Donc soit il est fait dès maintenant, ou soit il n'ira jamais jouer à la télé. Et c'est pareil pour vous tous, à vous. D'accord? Quand tu prends un pénalty, tu ne peux pas avoir le sourire deux secondes après. Même si tes coéquipiers parlent.
Ok? Parce que tu viens de prendre un but. Mais vraiment, toi, ça, c'est le pire truc pour toi. Tu marques des buts, c'est bien, on s'en fout de marquer des buts. On va en marquer des buts. Que tu sois sur le terrain ou pas, on va en marquer des buts. Mais l'objectif, c'est pas en prendre. Le plus important, c'est pas en prendre. Est-ce qu'on est capable de ne pas prendre de buts? Des fois, on peut prendre des buts, les gars. Mais on ne défend pas. On ne peut pas prendre des buts comme ça. D'accord, si c'est un but, moi, quand je vois ça, ça me dégoûte. Quand je vois ça, le but qu'on a pris, ça me dégoûte. Ça me dégoûte parce que j'ai l'impression de travailler pour rien. Ok, nous, on fait tout un travail. On vous explique plein de choses. Et vous, quand vous arrivez dans la zone où il ne faut pas dribbler, d'accord, par exemple, je dis à Medji, il ne faut pas dribbler, il ne faut pas mettre un contrôle orienté dans ce sens-là. Un contrôle orienté dans ce sens-là. Le mec, il pousse juste un peu, il est déséquilibré. La route, il ne suit pas. Il part dans le camp. D'accord. Donc, là, il n'y a pas de contrôle orienté comme ça. D'accord. Contrôle orienté, c'est vers l'avant, directement. Tu vas directement vers l'avant, ou sinon, si c'est vers l'arrière, c'est appui. D'accord. Appui, tu te décales un peu l'intervalle et tu viens demander. D'accord. Tu vas jouer un peu plus haut dans le milieu, pour distribuer le ballon, et tu gagnes quoi? Tu vas rester là. D'accord. À peu près là, tu vas cette zone-là, devant 40 distincts. D'accord. Quand c'est coupé tous les ballons, il faut que tu t'empêches ces mecs-là de jouer. Ces mecs-là, parce qu'ils sont mis tout le match. Ok. Et pareil pour Enzo et Rita. D'accord. C'est le même rôle. D'accord. Vos rôles-là, ici. C'est pour que Lini et Kanté soient tranquilles, ils n'ont pas besoin de défendre. Si vous êtes là, Enzo, des fois je te vois ici. Là, le latéral, il a le ballon. D'accord. Toi, au lieu d'être là, d'accord, au lieu d'être là entre les deux joueurs, quand lui monte avec le ballon, au lieu d'être là, des fois, de temps en temps, je te vois là derrière lui. En train de courir là. Mais c'est pas bon là. Si tu es là, toi, là avec Lini, ça fait deux contre un. D'accord. Alors si tu es ici entre les deux, déjà. Si t'es déjà en train de l'attendre, ça fait 2 contre 2. Ok? Donc sois pas derrière le mec en train de courir. Attends-le toujours là. En plus, tu sais très bien qu'il ne va pas te bouffer, mais meilleur que lui. Même défensivement, tu vas le bouffer. D'accord? Donc sois malin sur le 6 mètres ou quoi. Écarte-toi de lui de 10 mètres. D'accord? C'est lui qui va venir vers toi de toute façon. Il est obligé de jouer sur son poste. Ok? Donc toi, reste en place, pense pas toi à lui. C'est lui qui doit penser à toi. Depuis tout à l'heure, moi, ce que je vois, c'est que lui, il défend. Pas toi. D'accord. Donc, tu n'as pas besoin de défendre si tu es en place. Mais si tu n'es pas en place, on sera obligé de faire des efforts. C'est pareil de côté Riva. Ok. Donc, sur les 6 mètres ou quoi, on attend là en face du ballon et on regarde tous le ballon. Je ne vois personne marcher vers lui. Ok. Sur les 6 mètres du gardien, nous, on est tous comme ça, en face de lui. Et resserrer, bien sûr. D'accord. Le bloc là, il faut qu'il soit resserré. Il faut que je trouve Enzo à côté de Lini, Lini à côté de Justin. Carl à côté de Justin, Kanté à côté de Carl, d'accord, tous resserrés quand on n'a pas le ballon. Et après quand on a le ballon, on explose sur les côtés, on va trouver la profondeur. On y va. Allez, allez, les gars. Alors, voilà, allez, allez. Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. Montez le ventre, toi. Allez, allez. Va, dans la va.
plus bien la boucle, c'est pas le moment de regarder la boucle là. Bien joué! Hey, as-tu retrouvé ton maillot toi? Et combien? 10, c'est ça? J'ai dit Gambine, j'ai oublié son prénom.